Quatrième opération, quatrième édition, on en aura deux cette année. Très très positif. D'abord parce qu'on est plus rodé, on a des jeunes extrêmement motivés. On a une très très belle promotion. Plus de femmes, plus de diversité, j'allais dire d'origine géographique. Aujourd'hui, c'est une journée forte pour nous. Nous avons eu un temps d'échange avec nos partenaires et on a partagé le repas avec Yannick Nyanga. L'après-midi s'est déroulé avec les jeunes, donc tout d'abord un temps d'échange sur le terrain, une partie de rugby au toucher avec les jeunes. Et ensuite, moment très fort, c'est la rencontre de Yannick Nyanga dans la symbolique du vestiaire avec ces jeunes. On a fait la remise du maillot symbolique avec Patrice Lebert et lui-même. Le maillot, en fait, ça représente quelque chose. Quand on met ce maillot-là, on est nous, les coéquipiers, ceux qui ne peuvent pas jouer ou ceux qui sont assis sur le banc, nos parents, nos familles, nos amis. Et on est plus que notre propre personne. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le tour. Soazig, 20 ans. Passionné. Soanita, 27 ans. Et je suis motivée. Moi, c'est Ibrahim, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Mayotte et j'aime rigoler. Moi, ça a été dit, je voulais dire généreux, mais c'est Yannick, 36 ans, échange, voilà, j'aime bien échanger avec tout le monde. Pourquoi avoir choisi Yannick Nyanga comme parrain? Pour nous, Yannick Nyanga, ça fait partie des hommes importants du rugby français. C'est quelqu'un qui rayonne, qui dégage quelque chose, et puis c'est quand même quelqu'un qui, sur sa carrière de rugbyman, a quand même fait 46 sélections pour l'équipe de France. C'est une belle preuve d'insertion, de réussite également, personnelle et professionnelle et culturelle en France. Mon père, il joue pas au rugby, je suis né à Kinshasa, j'ai pas fait de grandes études, donc il n'y avait pas quelque chose qui me prédestinait à ça. Le seul point commun, c'est que je me suis toujours donné à fond dans ce que je faisais. J'aime ce que je fais. J'ai accepté d'être le parrain de la 4e édition parce que pour moi, c'est une évidence. J'ai l'impression d'avoir énormément reçu de la part du rugby. J'essaie de humblement parler de ma carrière, leur montrer que finalement, je suis une personne lambda aussi, qui a réussi à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et à force de travail et de plaisir et d'amour pour ce que j'ai fait, j'ai réussi à faire de belles choses. Donc si moi j'ai réussi à le faire sans être quelqu'un de spécial a priori, eux peuvent le faire aussi, quel que soit le domaine dans lequel ils veulent intervenir. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté de votre carrière, où vous vous êtes dit c'était pas fait pour vous? Ouais, tout le temps. Je doute tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où je doute pas. Et je pense que c'est parce que je doute que je me donne à fond dans tout ce que je fais. Les meilleurs matchs que j'ai fait, c'est les matchs, les plus grands matchs. Parce que c'était ceux où je doutais le plus. Et comme je doutais le plus, je faisais tout pour essayer de me rassurer. Je m'entraînais dur, je faisais attention à ma récup, je faisais attention à ce que je mangeais. J'ai retenu que c'était quelqu'un de très ouvert. Et il a aussi une belle carrière, on va dire. Il a beaucoup travaillé pour arriver au niveau où il est maintenant. Et j'ai retenu aussi, c'était quelqu'un de très partageur et qui avait le cœur sur la main, on va dire. Les garçons, ils sont obligés de passer à une fille. Voilà. Pour avoir des filles, entre elles, elles peuvent se passer le ballon. Mais les garçons, ils sont obligés de passer une fille. On a appris beaucoup de choses de lui. C'est une bonne expérience pour moi et aussi pour le groupe. C'est une personne ouverte d'esprit et qui a su répondre à toutes nos questions. Si vous pouvez nous donner des conseils professionnels qui peuvent nous aider dans la vie. Jamais je pensais que j'aurais fait du rugby mon métier. Mais par contre, c'était, si tu me disais qu'est-ce que j'aime le plus, c'était faire du rugby. Il faut perdre du temps à chercher ce qu'on aime le plus faire. Et parce que c'est ce que tu aimes faire, si tu arrives à trouver le métier qui est en relation avec ce que tu aimes le plus faire, tu n'auras même pas l'impression de travailler. Il nous a parlé de la passion. Lorsqu'on trouve la chose qu'on aime, on peut avancer vite fait. Donc c'est ça ce que j'ai retenu et ça sera ma devise. Je sentais dans les regards qu'il y avait beaucoup d'affection, par moments d'admiration. Et je me suis senti utile, écouté. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour moi. Ouais. Si vous avez une citation qui vous représente, ce serait laquelle vous ? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc je me disais tout le temps ça. Je me disais, quand c'était dur, je me suis dit, ce que tu veux, il n'y a pas grand monde qui peut y arriver. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et je pense que ça pourrait s'appliquer aussi au reste de mon parcours. Il m'a un peu permis de voir les choses autrement. Après, une citation que j'aime bien aussi, c'est « Méfie-toi de ce que tu veux, parce que tu pourrais bien l'obtenir. » Voilà. Tout au long de notre échange, il nous a fait passer un message. Toujours être persévérant, toujours aller vers nos objectifs, et jamais regarder en arrière. Moi, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui avec Yannick Nyanga. Je trouve que ces jeunes sont vivants, heureux, dans l'échange, généreux. J'ai vraiment senti de la joie par rapport à ma venue et ça m'a vraiment donné envie de le leur rendre, de leur faire partager toute l'expérience que je pouvais avoir. Des qualités qu'il faut avoir pour y arriver. Donc, je l'ai dit la première fois, c'est déjà d'aimer ça.
l'amour pour ce que tu fais, le plaisir que tu as à t'entraîner, il faut se rendre compte que tout compte en fait, que tout a un impact sur ce que tu fais, sur ta performance, comment tu es avec les gens, comment tu es avec les coéquipiers, comment tu vas manger, comment tu vas t'entraîner, comment tu vas jouer, ce que tu vas amener en fait, que tout compte. Si tu mets tout dans la balance, dans ta performance, normalement, t'as beaucoup de chances d'y arriver. Ce que je retiens de cet homme-là, c'est l'humilité. Et ça, ça a marqué les jeunes. C'est un gars qui a joué devant 100 000 personnes, qui a porté le maillot français, qui est une gloire du rugby français. Il est là avec nous comme un frère. Donc voilà, il a mis les jeunes à l'aise, il a grande capacité d'écoute. Il a pu nous faire partager un certain nombre de valeurs, les valeurs du rugby, les valeurs du sport et les valeurs d'humanité. Ces parrains sont extrêmement importants pour plusieurs raisons. Première, ce sont des hommes de renommée dans le rugby, comme Daniel Dubroca, comme Sylvain Marconnet, comme Mathieu Blin, Yannick Nyanga, nous donnent une certaine crédibilité. C'est une fierté pour notre club de les avoir et qu'ils acceptent. C'est aussi des leaders importants vis-à-vis de nos jeunes. Ce sont des belles exemples de réussite de vie. Pour moi, c'est une chance d'être là aujourd'hui pour mon projet professionnel, mais aussi pour connaître d'autres personnes, pour m'exprimer encore plus et avoir confiance en moi aussi. Je suis contente d'être là, ça m'a encouragée. Je les remercie tous, toute l'équipe de SCO pour cette opportunité. Ça m'aide au niveau humain, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, les coachs, les entraîneurs du club aussi, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très ouverts. Ce genre d'action est nécessaire parce qu'on a tout simplement besoin les uns des autres. Ce que je peux souhaiter à l'association, c'est qu'elle continue de grandir, qu'elle aide de plus en plus de jeunes à atteindre leurs objectifs. Croyez en vous, n'ayez pas peur, chacun a sa place, on est là pour vous accueillir et ça ne peut marcher que si vous prenez vous aussi conscience que ça doit venir de vous. Le modèle est très bien, le modèle est basé sur l'humain, sur l'entraide, sur la succession, sur l'éducation. Ce sont des valeurs qui sont primordiales dans la vie et dans le sport. Si une initiative comme ça pouvait être couronnée de succès, ça aiderait beaucoup. On peut souhaiter longue vie d'abord à l'opération menée par le SCO. On peut aussi souhaiter de l'essaimage, que d'autres s'emparent aussi de ce sujet-là et de cette manière de faire-là. Et là, j'avoue que ce soir, quand on voit les entreprises, main dans la main, avec l'État, avec les collectivités, avec le mouvement sportif qui n'est pas isolé et qui, grâce aux entreprises et à ces réseaux, va peut-être pouvoir sortir et se développer. Donc c'est tout ça qui va créer la bonne pratique. Et là, ça marche. L'engagement, c'est aussi de tisser des liens. Et le rôle de l'État, c'est de favoriser ces liens et c'est d'accompagner ces engagements. On a encore besoin de soutien de tout le monde. D'abord, de pouvoir aller encore plus facilement auprès des jeunes dans les quartiers, de montrer que l'entreprise, la ville, la France est ouverte à eux. Après, bien sûr, on a besoin de moyens financiers parce que nos éducateurs, il faut les payer, parce que les structures, il faut les payer et qu'il nous faut des moyens complémentaires. Et puis de dire aux entreprises, continuez à nous ouvrir vos portes. Nous, entrepreneurs, société, on a un devoir sociétal également. On ne peut pas laisser des gens sur le côté. On a besoin de ces gens-là. Il faut simplement revoir un peu nos paradigmes et revoir un peu notre méthode de recrutement. Les entreprises doivent réaliser qu'elles ont finalement des pépites dans leur environnement et que vous allez pouvoir finalement aider largement au développement de l'entreprise. La leçon de vie qu'on a pris là pendant une heure et demie, c'est vraiment que la ressource humaine, il faut la mettre au centre de nos préoccupations et que voilà, ça doit plus venir un poste de charge ou un poste de coût, ça doit devenir un poste d'investissement pour amener la richesse de l'entreprise et la richesse humaine parce que c'est quand même les humains qui font les entreprises.